Hey guys, so what's going on? Here I am in the monastery of Churrasco. Stayed here the last two nights. It's been amazing. Check out my room. It's pretty gorgeous. I mean, I have this awesome bathroom. Boudoir, I don't even know what that is. And that shower, oh my God. So, don't forget about the view. The view is Piemonte. And you've got the Alps there in the background. Check that out. It's my courtyard. Thank you, Return to Terroir, for the amazing accommodations. But I'm here to introduce the video that I have right now. It's Michel Grenier, a producer in Beaujolais, completely natural, organic, biodynamic. The guy even has like horses and rabbits and this amazing garden. Everything there is farm to table, including the wine, which is all natural. But it's all in French, I'm afraid, so hopefully you understand French. And if you don't, you still might be able to get what his vibe is, which is super cool. So anyway, check it out. Hopefully there's more to come, and I'll see you soon. Just think about you. J'ai la chance de faire un millésime correct en volume, comme en 2014. Là, je fais beaucoup, je fais énormément le parcellaire parce que je trouve que c'est très intéressant. Il y a des bonnes yields. Il peut vraiment être de vignes designées. C'est très which is what he likes to informateur par rapport à mes parcelles. It informs, it's very informative for each parcel. Et moi, je suis très justement comme Mélodie et La Revolte, c'est ma parcelle qui est juste tout de suite là à côté de mon bâtiment, la première parcelle. Right after, like, the et green. La parcelle, je l'ai divisée en deux dans le sens de la. The parcel is divided by two. Et d'un côté j'ai fait La Revolte, de l'autre côté j'ai fait la Mélodie. Et one side, ça a été vendangé à deux jours d'écart. Il y a l'âge des vignes qui est différent. Two days difference. Et age of the vines is different. Et j'ai fait deux vins avec des trucs très, enfin qui s'appellent quand même différents. Ils avaient toujours une note de ressemblance malgré tout, mais il y avait des arômes, des caractères différents. Et là il y a zéro soufre. J'ajoute rien. Et ni chaptalisé, ni j'ajoute rien du tout. Et vous avez déjà exporté dans les États-Unis? Oui. D'accord. Et les vins tiennent entre guillemets, tiennent le coup, tiennent les trois semaines de. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ah non, mais moi je. Je suis justement contre justement ce problème de vin fragile ou quoi que ce soit. La seule chose qu'il y a, c'est que nous, ce sont des vins vivants. Et un vin vivant, c'est toujours sur des vagues. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ça a des périodes, ça goûte. Alors c'est de la bombe, c'est très très bon. Et il y a des périodes, par contre, où ça se referme. Et là, il faut soit prendre un peu de temps, donc les carafer, les aérer, ou des fois, il vaut mieux passer le cap, attendre un mois, ça revient, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut les dires de l'appellation, pour moi, ne sont plus conformes avec le Beaujolais que beaucoup de consommateurs. Après, le fait aussi de ma culture biodynamique, ça, on amène un petit peu plus de. On est plus sur le côté minéral, on amène des arômes aussi de. Farming, on, the mineral side. On a aussi beaucoup d'arômes de fleurs. You also have a lot of aromas of flowers. Parce que je dis, j'ai des vins, j'ai l'impression de boire une tisane de plantes, moi, des fois. Ça me rappelle un peu les tisanes de plantes, parce que c'est tellement. Like c'est fin, il y a ce côté salin, ce côté. Et donc moi justement je veux retrouver ce Beaujolais il y a 50 ans c'était le folklore, puis on en buvait, je veux dire, et les gens étaient bien, je veux dire, c'est pas... Moi c'est votre père, grand-père faisait du vin aussi, arrière-grand-père, oui, jusqu'à arrière-grand-père j'en suis sûr, après il faudrait que je fasse la recherche pour remonter un peu plus, et je suis la quatrième génération. But before that, he would have to make some research. Grandfather to father to sir. Yeah, his father, grandfather, great-grandfather. Quelle génération de qui faisait quoi, le Puy-de-Namie ou non qui, and maybe more. Comment? C'est quelle génération qui a fait le vin ou qui a fait la des nature
Non, 4 générations qu'on fait du vin. 4 générations have been making wine. Moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai été, comme beaucoup de vignerons, conventionnel, agriculture chimique. At the beginning, they're used to chemical products. Mais bon, malheureusement, moi, à l'école, on m'a appris que ça. Hein. At school, unfortunately, I was only taught that. Et c'est en 2000 où j'ai carrément viré. Voilà, j'ai complètement changé. Pourquoi vous avez basculé entre guillemets? Bah, disons que j'avais une grande réflexion dans les années 98 et 99 où je me suis vraiment rendu compte que les fermes chimiques nous prenaient pour des cobayes. Il y a des réalisations. Vous avez passé des produits, pas des produits soi-disant pas dangereux, et que 10 ans après, ils nous disaient ils ont retiré du marché parce qu'ils sont aperçus que c'était trop dangereux. They were saying that everything is fine, it's perfectly good. And 10 years after, donc il y a déjà ça. So you realize that, et puis après, c'est pour la santé du consommateur. Was je fais quand même un truc qui est consommable. Je trouve que maintenant, à l'heure actuelle, beaucoup trop de gens se cachent par quelque chose pour s'enlever leur responsabilité vis-à-vis de. C'est something great. He said, "I'm making a wine to be consumed, so he's responsible for his consumers." Les produits, j'ai une question de Steven. Les produits chimiques en Beaujolais ont commencé à être utilisés en quelle année? Ah, ça a commencé un peu l'après-guerre. Hein. C'est l'après-guerre de 40 où les usines d'armement ils sont venus en usine de produits chimiques. Mais où ça s'est beaucoup, je pense, développé, c'est à partir des années 65-70. Là, il y a vraiment eu un boom de des produits. C'est là où les vignes sont mises à produire, en fin de compte. Il y a eu la production qui a commencé beaucoup moins.